bienvenue ce matin à la maison du Seigneur et sûrement la présence de Dieu parmi nous. Amen. Alléluia, alléluia. Et nous avons un programme assez particulier ce matin. Simplement les annonces, on ne l'avait pas fait, mais nous allons avoir une dévotion. Alléluia. Et on va avoir une dévotion de 30 minutes environ, et après, le bishop va venir apporter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et bon, aujourd'hui, on ne va pas le faire comme on le fait d'habitude, mais je ressens vraiment de dire à quelqu'un que si quelqu'un a une offrande à porter au Seigneur, il pourra juste le faire dans les paniers d'offrandes qui sont là devant avant la fin du service. Amen. Et c'est ça. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Jusqu'à présent, on était extrêmement bénis. Amen. Amen. Extrêmement bénis par la présence et par la parole du Seigneur. Amen. Et je sais que le Seigneur n'a pas encore fini. Qui croit que le Seigneur a une parole pour lui aujourd'hui? Alléluia, je crois que le Seigneur a une parole pour lui. Et quand on vient avec cette anticipation, le Seigneur rencontre toujours le besoin. Amen. Vous savez, le Seigneur ne répond pas aux besoins, mais il répond à la foi. Tu peux venir avec beaucoup de besoins, mais il faut que tu crois que le Seigneur va rencontrer ce besoin-là. Et moi, je crois qu'il va rencontrer le besoin de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la dévotion. Et on peut se lever. Alléluia. Et vous savez, quand je cherchais la face de Dieu pour savoir c'est qui allait faire la dévotion aujourd'hui, le Seigneur m'a mis en cœur quelqu'un. Et pour moi, c'est vraiment un honneur que de travailler main dans la main avec lui. Parce que quand je pense à lui, j'ai toujours un peu ce. Je crois que j'ai ce même sentiment-là que les apôtres avaient quand ils ont appris que Paul avait changé de camp.